Bonsoir à tous, bienvenue dans Vive l'Europe. Pour la deuxième fois dans l'histoire de cette émission, je reçois Claude Marion. Salut Claude. Salut Daniel. Ça va ? Ça va, impeccable. Aujourd'hui, on va parler de ton livre que j'ai l'honneur d'éditer. Claude est devenu un ami par la force des choses et surtout, c'est un écrivain, un artiste que j'apprécie et je voulais vous le présenter à nouveau. La dernière fois, tu nous avais parlé de tes premiers écrits qui étaient édités, je crois, sous format numérique. Storylab, c'est ça, une maison d'édition numérique qui a voulu se lancer, mais bizarrement, la mayonnaise ne prend pas en France. En Angleterre, ça fonctionne très bien, les livres numériques, même, ça surplombe même les ventes de livres physiques. Oui. Aux États-Unis, ça fonctionne très bien, et en France, ça ne prend pas. Donc, eux, c'était la première boîte d'édition, donc Storylab, c'était bien. Ils bossaient avec Flammarion, ils bossaient avec des grosses boîtes, quoi. Enfin, c'était quelque chose de sérieux, mais on ne sait pas pourquoi. Les Français restent attachés au papier. Au papier, ouais. Ce qui n'est peut-être pas une mauvaise chose. C'est pas plus mal, c'est plutôt bon signe, d'une certaine manière. Voilà. Et puis le livre, de toute façon, qui était sorti, j'en étais pas satisfait. Ouais. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi ? Comment tu définirais cette œuvre-là qu'on est en train de sortir ? Alors, en marge, c'est à la fois un best-of, c'est-à-dire c'est, ça fait partie des bons textes que j'ai pu écrire, enfin que moi, je considère comme bons, après, d'un point de vue d'auteur, sur les cinq dernières années, on va dire. Ouais. Mais en même temps, il y a une thématique commune. Mm-hmm. C'est-à-dire que, vu que je travaille avec toi, je me suis dit, tiens, je vais faire... C'est un livre, c'est pas que des histoires qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Ouais. C'est-à-dire, il y a une thématique politique dans chacune. Par D'accord. exemple, dans chaque histoire, il y en a quatre ou cinq, à chaque fois, le narrateur casse la gueule à un arabe. Ça arrive dans chaque bouquin. D'accord. Voilà. C'est voulu. Voilà. C'est la thématique. Je me souvenais même plus de ce point commun. En lisant, je me suis dit, je trouvais ça banal. Ouais. Mais en fait, t'as un des personnages qui, à un moment donné, va... À chaque fois, ça arrive dans le bouquin. Ouais. D'accord. Et okay. C'est la thématique pour que ça fasse un livre. Donc, c'est des nouvelles qui sont très longues, parce que c'est des nouvelles de 50 pages. Donc, c'est entre... En fait, c'est un format bâtard entre la nouvelle et le roman. Ça va vers les 70 pages, donc c'est trop long pour être une nouvelle, c'est trop court pour être un roman, mais ça forme un ensemble. À la fin, on comprend que Paul c'est le même personnage depuis le début. Mm-hmm. C'est pas dans l'ordre chronologique, c'est dans un sens logique qui n'appartient qu'à moi. Voilà. Et on pourrait dire un peu comme Bukowski, quand il y a différentes histoires, c'est pas censé être le même gars, mais finalement, ça compose une seule œuvre. Voilà, dans pas mal de ces recueils. C'est un livre. C'est vraiment un livre au sens où Mallarmé l'entendait. C'est une unité de sens. Ouais. Voilà, ça forme quelque chose de logique. Voilà. D'accord. Comment on pourrait définir unité de sens ? Qu'est-ce que ça veut vraiment dire ? Bah, qu'il y a une esthétique commune, c'est-à-dire c'est le même personnage, il y a des rappels, c'est-à-dire dans les histoires, des fois, ils pensent à son passé, et c'est des choses qu'on va découvrir dans le texte d'après. Mm-hmm. Donc, il y a une connexion logique. Oui. C'est pas des bouquins balancés, c'est pas qu'un pur best-of. J'ai pas pris mes meilleurs textes. J'ai voulu vraiment qu'il y ait une thématique politique et identitaire. Et le rapport avec l'arabe qui s'est cassé la gueule, ça arrive à chaque fois. C'est une sorte de. C'est plus un running gag littéraire qui correspond à l'univers c'est ça. Paf. Oui, ouais. C'est complètement. Oui, c'est ça. C'est du troll. Hein. Ouais. D'accord. Voilà. Ça, c'est du troll pur. Mais c'est juste pour. Ça forme l'unité, en fait. Au final, on se rend compte que dans chaque. Et après, on se dit, en fait, tout est connecté, ça a un sens. Ça a un sens, oui. Voilà, en marge. Évidemment, ça fait référence à la victoire de Macron avec son parti fantoche En Marche. Quoi. T'as eu l'idée de ce titre, je me souviens, c'était à peu près au moment des présidentielles. En fait, je vais être complètement honnête avec toi, c'était pendant les présidentielles et tout ça, je suis sorti dans les rues de Rennes un après-midi avec mon ami et il y avait un mec qui avait graffé ça sur un mur. Oui. En marge pour l'excavation. Ah, ça t'a donné l'idée J'ai trouvé ça génial. Ah ouais ? Ouais, je lui dis... ça, c'est pour moi. Je lui vole. j'ai fait mon et je lui ai piqué, je lui ai complètement piqué le titre. Quoi. D'accord. Donc, en fait, ça appartient à un graffeur de Rennes que je ne connais pas. D'accord. Oui, voilà. Moi, tu sais, En Marche, je pense que cette expression n'appartient à personne en particulier. Ouais. Tu sais, ce qui est drôle, c'est que c'est toi qui m'as donné l'idée de la couverture avec le smiley, le petit Hitler émoticône qui fait cling. C'est ça, ouais. Et tu m'avais dit, je pense que c'est une très bonne idée marketing. Eh bien, tu ne croyais pas si bien dire parce que BecBD a fait quelque chose de similaire. Le dernier livre de BecBD, c'est un smiley. Évidemment pas un smiley Hitler, mais c'est un smiley qui fait cling avec l'œil et c'est la couverture de son livre. Ah oui. Tu vois, comme quoi la preuve, c'était une excellente idée qu'on a repris à notre compte. Mais en tout cas, c'était une très bonne idée. BecBD, c'est le mec qui tient le tout petit Paris dans sa main, mais alors d'une main de fer. Hein. Ça, maintenant, on peut passer par l'édition sans passer par BecBD. Ouais, il vend énormément, alors que c'est très mauvais. C'est surtout qu'il a une influence énorme dans le milieu germano-protin. Ah oui ? Ah oui, c'est maintenant le café de Flore, enfin, tout ça, ça lui appartient. Le prix de Flore lui appartient. Je sais pas ça. C'est le nouveau maître de la littérature française, là, si. D'accord. Mais ses livres sont, oui,
sont plutôt moyens. Enfin, moi, j'ai jamais trop kiffé. Oui, oui, mais on dit pas ça parce que c'est mainstream. Hein. Je veux dire, il peut y avoir Houellebecq, on peut pas dire que c'est de la merde. Mais Beck BD, moi, des fois, j'ai lu, je me suis dit, putain, c'est quand même médiocre. C'est pas super bien écrit. C'est, non, alors, mais, par, mais par contre, il a travaillé ses réseaux. Il se, ouais. Voilà, il était au mariage de Houellebecq avec ouais. Nicolas Sarkozy, Alain Bruni, quoi. Donc, ouais, c'est vrai. Donc le mec, il a son réseau. Il y avait toute l'équipe. Beck BD, on peut, je pense pas qu'on puisse survivre dans la littérature contemporaine moderne en France sans passer par lui. Quoi. Ouais. Ça devient le grand Manitou. Mais pas sur ses qualités d'écrivain, mais sur ses qualités plutôt de manager, on va dire. Voilà. Ouais, ouais. Je me souviens d'une vidéo de Beck BD dans les années 90 qui disait que Nab était le meilleur écrivain de l'époque. Et je me souviens que j'avais trouvé quand même son honnêteté appréciable. C'est qu'il arrivait à se mettre en retrait par rapport à Nab alors qu'il partageait pas ses idées, quoi. Donc je sais plus si je t'avais interrogé sur Nab, sur ce que tu penses de si, Nab. Si, mais c'est pas étonnant de parler de Beck BD. Si, si, Nab, si, si, bah, si, si j'en pense du bien en tant qu'écrivain. Ouais. Après, le personnage, j'ai du mal à le cerner, sincèrement. Oui. Je sais pas de quel camp il est exactement. Ouais. J'aimerais bien passer le voir dans sa boutique. Ouais. Ça, ce serait un truc que j'aimerais faire sur Paris. C'est une boutique, normalement, où ils vendent ses tableaux. Oui. On a un point commun avec Nab, c'est que je suis un vieux fan de Prince depuis que je suis gamin. C'est vrai. Et Nab aussi. Mmh. Il aime bien le jazz, il aime bien la musique noire. Du coup, il a fait des tableaux de Prince. Il en a fait une quinzaine, je crois. Ouais. Et c'est un truc que je me suis dit, un de ces jours, j'irai sur Paris, j'irai le voir et je lui achèterai un tableau de Prince. Voilà. Ah ouais ? Ouais, voilà. Bah, par Nab, ça me plairait. Mais voilà. Tu sais les prix de ses tableaux ? Bon, je pense que moi, il me fera un prix d'amis. Voilà. Ah ouais, t'es bien. T'es bien naïf. Non, mais écoute, en tout cas, oui, c'est vrai que toi, tu aimes le jazz, ce qui m'a fait hésiter à t'éditer parce que j'aime pas ça du tout. Non, mais je reconnais. Tu m'as offert un album de jazz que Kind j'ai écouté. Kind of Blue de Miles Davis, quand même. J'admets que j'ai pris du plaisir à écouter. C'est mignon, quoi. C'est joli. C'est joli, c'est pas beau. C'est joli. Ouais, c'est joli. Ouais. C'est joli, ça peut savoir avec le féminin qu'avec le. C'est vrai, c'est vrai. Le beau peut être masculin, quoi. Ça traverse pas forcément voilà. L'épreuve du temps, mais c'est très agréable c'est à écouter. C'est très doux, c'est très mélodique. Toi, tu pensais qu'une musique, il faut forcément pouvoir la chanter dans sa tête ou s'en souvenir. Ouais. Kind of Blue, c'est ça. C'est des airs, c'est des mélodies qui sont très prégnantes. Miles Davis, c'est un sorcier, quoi. Mais c'est, ouais. C'est un bon sorcier, quoi. Ouais, ouais. Moi, c'est ma cam. Mais c'est pas que ma cam, j'écoute pas que ça. Avant de venir ce matin, j'ai écouté Beethoven. Hein. Mmh. Ouais. Non, non, mais c'est sûr, là n'empêche pas l'autre. On était en train de boucler le livre et puis tu m'as dit, tiens, j'aimerais bien introduire ce texte qui est Les Garages. Pourquoi tu as voulu le mettre? Quel est le rapport? Quelle est la cohérence avec le reste? C'est un résumé esthétique. Les autres textes, c'est de la narration, c'est de la fiction, c'est des nouvelles écrites purement. Et celui-ci, c'est, je donne mon point de vue, qu'est-ce que la beauté, qu'est-ce que le mal, qu'est-ce que Dieu. Oui. Ça définit mon idéologie quelque part. Il oui, y a une forme de théorie dedans. Esthétique, voilà, c'est un ouvrage plus de théorie, quoi, c'est ça. Mm. Et du coup, je trouve que c'est une bonne introduction. C'est vraiment, ouais. En lisant ça, on sait ce qu'on va lire après. Mm. Voilà. Et après, j'ai des velléités, comme on dit. Je suis censé être romancier, mais j'ai des velléités, mais c'est des velléités seulement, hein, de philosophe. C'est-à-dire, j'ai une pensée sur la notion de bien, de mal, sur la notion de beau, voilà. Et j'ai toute une théorie sur le ressentiment, sur la construction du beau. Ouais. Et je pensais que c'était utile de mettre ça en introduction. Quoi. Ouais, ouais, très bien. Qu'on comprenne ce que je fais, c'est-à-dire le sens de mon travail. Quoi. Moi, je t'ai fait lire à des proches, des amis qui aiment la littérature. Ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'il y avait de la beauté, de la profondeur, mais certains reprochent la simplicité du style. Alors, comment tu te défendrais en... Bah, parce que j'ai commencé, quand j'avais 20 ans, à être très dans le style, c'est ouais. Dans la phraséologie, ce que j'appelle ça. J'ai beaucoup travaillé son style. Mon premier livre, Le Prince et son prince, ça ressemble à du Flaubert, on va dire. C'est du Flaubert... plus moderne et plus bas de gamme, parce que enfin, je ne vais pas arriver au niveau de Flaubert, je ne suis pas complètement taré. Quoi. Ouais. Mais en vieillissant, j'ai compris que la littérature, ce n'était pas ça. Quoi. En fait, il fallait être franc. Et moi, je suis un fils de paysan, arrière-petit-fils de paysan plutôt. Et j'ai envie d'écrire. Je ne me pose plus la question du style, en fait. J'écris comme ça me vient et comme ça doit être dit. Tu penses qu'il y avait une prétention bourgeoise à essayer de faire du beau, alors oui, ouais, de lécher, alors que ça ne correspondait pas à ton fait, univers. Oui, tout à fait. Oui, parce que mon. Mes idoles, mes influences sont très bourgeoises. Ouais. Ça, de Wilde à Wismans, on reste dans la haute bourgeoisie. Quoi. Ouais. Alors que moi, ce n'est pas ce que je suis. Mm-hmm. Et donc, moi, j'ai voulu singer. En fait, j'étais le petit singe savant de ça et je pouvais faire des choses plutôt pas mal. Hein. Ouais. Je suis assez fier de ces pages-là. Mais ce n'est pas moi. Quoi. Donc, après, j'écris comme on n'aurait jamais dû cesser d'écrire. Quoi. C'est-à-dire à la SERP. Ouais. Il faut que ça soit simple, il faut que ça rentre dedans, il faut que ça soit rythmé. Mmh. Après, c'est rythmé. Tout ce que j'écris, même si ça peut paraître difficile quelquefois, je pense aux divisions de la joie, c'est le dernier des textes qui peut paraître très tumultueux,
Mais en fait, c'est très rythmé, c'est très pensé. Derrière, il y a le beat. Hein. Ouais, exactement. On avait parlé, je crois, la dernière fois. Je m'excuse si c'est une redite, mais après tout, c'est pas grave de redire les choses. Mais ce qui est remarquable aussi, la première fois qu'on te lit, c'est que je trouve que tu as l'audace de parler de choses qui peuvent sembler très triviales. Et qui correspondent à notre époque. Ton personnage, il va jouer à la Nintendo Wii, il va le dire comme ça, il va pas essayer de le dire d'une forme belle. Et ça, mine de rien, à droite, c'est pas commun. C'est souvent vu comme une faute de goût. Parce que comme l'époque est vue comme une époque décadente où on fait des choses qui sont misérables, finalement, ce qui est pas faux, par certains aspects. Mais toi, tu prends ça à bras le corps. Tu parles vraiment de ta réalité au quotidien. On a l'impression, je sais pas si tu vois cette série 24 heures chrono où on suit un espion tout le long. Ben, y a un côté un peu 24 heures dans la vie d'un Français en 2020. Je pense que pour écrire aujourd'hui, il y a un devoir de vérité. Moi aussi, j'aimerais bien vivre dans une maison, comme on en a parlé tout à l'heure, entourée d'œuvres d'art, comme dans Wismans à rebours, et vivre dans l'esthétisme pur. Ça, c'est une volonté, c'est un rêve. Après, il y a un devoir de vérité dans la littérature, il y a un devoir de radicalité. C'est-à-dire, faut dire clairement les choses. C'est-à-dire, dernièrement, j'ai joué à Luigi Mansion 3. Voilà. Ça m'empêche pas de lire la Bible. C'est ce qui s'est passé. Et c'est bien. Oui, voilà. Et j'ai envie autant d'en parler parce que ça m'a procuré des émotions et je trouve pas ça inintéressant. Enfin, quand j'étais jeune, j'ai joué au 1. Qu'est-ce qui a bien pu changer ? C'est toujours la même. Le 3, c'est un bon hommage au 1. Ouais. D'accord. si, franchement, c'est excellent. Il y a des sensations. Je fais ça avec ma copine, parce qu'on peut jouer à deux dans le Luigi Mansion 3, alors que dans le premier, on peut jouer tout seul. Ma copine est vraiment une quiche totale en jeu vidéo. Ouais. Et du coup, elle peut jouer avec Luigi. C'est un personnage, c'est Luigi, mais en glu. Voilà. D'accord. Et elle peut jouer avec et elle peut pas perdre de vie. Ah, d'accord. Du coup, elle arrête pas de perdre tout le temps, mais elle ressuscite tout le temps. Ah, donc, elle est contente, elle a la satisfaction. Voilà. D'accord. Et puis, après, je parle de jeu vidéo, mais en fait, je vais en faire. Ça vaut autre chose. Dans l'année, je vais en faire deux. Oui, bien sûr. Je préfère plus que ça. Mon domaine, mon environnement reste très littéraire et très philosophique. Hein. Et très religieux aussi. Oui. Mais ça m'amuse ton rapport aux jeux vidéo parce que, pourtant, tu es quand même quelqu'un plutôt de ténébreux, un peu de sombre, même dans ton écriture, qui est allé loin de. Dans une forme de. Oui, t'as étudié la dégénérescence, tu l'as vécu même toi-même. Et tes choix de jeux vidéo sont très enfantins. Luigi, à Mario. Moi, je suis Nintendo. c'est que Nintendo, quoi. C'est pour moi, quitte à tomber justement dans l'infantilisme, c'est-à-dire à régresser intellectuellement, autant le faire clairement et radicalement et tomber dans l'univers de Zelda, de Mario. Enfin, moi, quand je joue aux jeux vidéo, c'est à ça. Quoi. Ouais, c'est pas Call of Duty, voilà, c'est pas du tout. C'est vrai. Voilà. Cette recherche de réalisme dans le jeu vidéo est pénible parce que justement, tu joues pour t'évader et finalement, on te repropose un même univers. Oui, on essaie de plus en plus d'être dans la réalité. Oui, c'est une surréalité violente, Call of Duty par exemple, alors que oui, si tu joues Zelda Breath of the Wild, je l'ai fait. Ouais. Ça faisait peut-être. 15 ans que j'avais pas ressenti ça face à un jeu vidéo, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, enfin de puissant, de fantaisiste, de beau aussi. Enfin, le jeu est magnifique. Mais après, voilà, je vais faire ce jeu-là, puis après, je vais pas toucher la console pendant 6 mois, quoi. C'est un détail, mais c'est vraiment une fois de temps en temps. C'est vrai, mais le fait que tu l'introduises dans les livres, j'ai trouvé ça intéressant. Je te dis une audace. Ne pas avoir peur du qu'en dira-t-on littéraire. C'est-à-dire, en gros, il parle de ça, ça n'a aucun intérêt. De toute façon, le qu'en dira-t-on, j'en ai rien à branler depuis le début. C'est ça, Je sais mes origines prolétaires et je sais que ça me sera toujours reproché dans le milieu bourgeois. Enfin, les bourgeoises me reprocheront toujours mon origine. Là-dessus, je ne suis pas marxiste du tout, hein, mais je crois quand même aux classes sociales. Quoi. Sans être marxiste. Sans les solutions du communisme. On peut estimer que le communisme fut une erreur, mais l'analyse marxiste, c'est-à-dire il est comme ça parce qu'il a tant de thunes sur son compte en banque, ça, en général, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne encore. Bizarrement, ça se... Et après, il y a un préjugé. Moi, quand j'écris, si j'ai envie de parler de ça, je parle de ça. Pourquoi pas ? T'sais, on peut avoir une approche intéressante. Je sais qu'à un moment, dans le livre, je parle de la Switch, et du lancement de la Switch, et de son plan marketing. Ouais. C'est l'analyse que j'avais du plan marketing à l'époque, je la trouvais pertinente. J'ai fait des études de commerce, donc je peux en parler. Oui, c'est vrai. Ça m'intéresse, je suis passionné par le marketing. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. La façon de vendre, la façon dont on vend, de créer des slogans. Voilà. En marge, c'est quoi ? C'est un slogan. Oui. C'est un programme éthique, politique et esthétique, au final.
Ce que je voulais dire, moi, c'est que puisqu'on présente le livre à un public qui, pour la plupart des gens ne t'ont pas lu encore, j'espère qu'ils seront nombreux à essayer de te découvrir. Ce qui est paradoxal chez toi, c'est que tu te définis comme un catholique, mais que tu n'hésites pas à aller loin. Là, pour le coup, le mot est idoine dans la décadence. Tu as flirté avec la décadence, ah oui. La consommation de drogue, l'alcool, etc. Oui, bien sûr, c'est d'écrire un monde décadent, il faut un héros décadent. Ouais. Après, le héros, c'est moi. Ça, je ne m'en cacherai pas. C'est dans ce que j'écris, le 90% est autobiographique. Il y a 5% d'arrangement pour l'intérêt du lecteur, ça, pour que ça crée, pour que oui. ça fasse fiction, ça, que ça crée un sens, quoi. Ouais, ouais. Sinon, ça n'aura aucun sens. Voilà. Mais après, la décadence, c'est moi. Moi, je me considère moi-même comme un être décadent, ouais. qui vit dans une société décadente, et j'en suis le pur produit. C'est dans je suis le déchet de la social-démocratie, quoi. D'accord. C'est ce qu'elle ne veut pas, ce qu'elle ne veut pas entendre, et son résultat. Ouais. Voilà. La dernière fois, pour ne rien vous cacher, on a fait une émission il y a quelques mois. Et tiens, regarde là, Tour Eiffel s'illumine, c'est magnifique. On est au top là, c'est parfait. Ça, c'est pour vous là, spécial cadeau. Et en fait, on avait fait une émission chez Claude, j'étais chez lui à Rennes, une bonne émission. Pour des raisons techniques, elle était difficilement diffusable. Et on parlait de littérature. Et on disait justement que tu me disais que tu étais arrivé à un bout et que maintenant tu avais envie d'être plus sobre, que tu étais allé au bout de toutes les expériences de chute libre. Et que tu te sentais mieux, que tu avais besoin d'équilibre. Est-ce que ça a changé depuis Non, c'est un souhait que j'ai. Après, je ne sais pas si ça correspond à ma personnalité, en fait. Ouais. L'excès, ça me va très bien. Mm-hmm. Je suis dans mon élément, dans l'excès. Donc, ouais. Et même en termes littéraires, quand on me lit, je pense qu'on le ressent. L'excès, c'est mon truc. Après, oui, j'ai envie d'un changement, j'ai envie d'une révolution esthétique. Là, j'arrive, je vais avoir 39 ans l'année prochaine. Je ne peux pas écrire 100 fois la même chose. Ouais. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'écrire deux fois le même livre. Donc, ce qu'il faut, c'est une révolution dans ma vie qui se résumera dans une révolution dans mes écrits. Voilà. Je rêverais d'écrire un journal intime, ton journal estime, qui s'appellerait La paternité. D'accord. C'est-à-dire expliquer au jour le jour, le jour où ta femme t'annonce qu'elle est enceinte, l'accouchement, bon concept. Voilà. On va le voler. Et puis écrire un livre, par exemple, qui s'appellerait La paternité, qui serait un journal intime d'un jeune père. D'accord. Ça, je kifferais de le faire. Ouais. Et après, est-ce que j'en suis capable? C'est autre chose. C'est autre chose, parce que j'ai des difficultés déjà à vivre avec quelqu'un en couple, parce que je suis un solitaire, je suis misanthrope, solitaire. C'est vrai. J'ai des difficultés sociales, on va dire. Donc, il faut déjà que j'arrive à vivre avec quelqu'un. Avec ma femme. Et paradoxalement, ça fait longtemps que tu es avec la même compagne. Donc il y a quand même. 10 ans, oui. Bah, une fois un enfant, maintenant, c'est le moment. Mais c'est. Si tu ne fais pas de gosse, je ne te dis plus. Non, voilà. J'ai rien contre. Franchement, pour moi, c'est ce que je dirais à tous les jeunes nationalistes. C'est, oui, reproduisez-vous. Hein. C'est, de toute façon, la bagarre, la guerre, elle est démographique. Ouais. Donc j'encourage forcément les jeunes nations qui nous écoutent à se reproduire. Après, moi, je ne sais pas si même l'écriture, c'est quelque chose de très solitaire. Ça exige d'avoir un bureau, par exemple. Oui. Il faut une pièce particulière pour écrire. Il faut pouvoir s'enfermer dedans pendant des heures. Ouais. Et est-ce que ça, c'est conciliable avec une vie de couple et une vie familiale? Pour l'instant, j'en suis encore sur le questionnement. Ouais. Alors justement, tu parles de conditions d'écriture. Parle-nous de ton petit appartement à Rennes. Tu as un tout petit peu d'appartement qui est ton lieu de travail aussi? Bah, c'est mon lieu de travail, oui, parce que la plupart des soirées, je les passe chez ma femme. Ouais. Donc, je dors là-bas, tout ça. Donc, j'ai juste un appart de 15 mètres carrés. C'est l'endroit où... Tu vas te réfugier dans ton cagibi amélioré pour écrire. Ouais, c'est ça. Et puis, j'aime bien souvent... Il a un côté très décadent aussi, quoi. C'est vraiment c'est la zone de la zone. Pourtant, en plein centre-ville de Rennes, dans un endroit plutôt joli. Dans un endroit le plus bourgeois de Rennes. Ouais. J'habite dans le quartier le plus bourgeois de Rennes. Je suis entouré de bourgeois et ça me va très bien. Je préfère la fréquentation des bourgeois que des rincailles. Hein. C'est à choisir. Voilà. C'est sûr. Mes anciens voisins étaient dentistes. On va parler des nouveaux dans quelques temps. Moi, je voudrais que tu me rappelles l'anecdote du type que tu avais croisé qui était l'ancien locataire de ton appartement. Parce qu'elle est incroyable, cette anecdote. Tu sais, le type qui avait la gueule brûlée. Oh, je sais plus. Tu sais plus? Je vais pas la raconter à ta place. Tu m'as dit que tu avais recroisé un voisin. Un mec qui habitait dans ton appart avant toi. Ah oui, si, oui. Alors oui, raconte-le, ça. Franchement. On dirait que c'est inventé tellement c'est fou. Si, c'était juste un type qui habitait là où j'habitais avant. Il y avait eu un incendie, en fait. C'était ça, quoi. Il était repassé comme ça, voir. Oui, voilà.
Oui, ça m'avait inquiété sur le moment. Mais... Après, c'est sûr, là où j'habite, c'est très... Mais je veux dire, c'est un lieu chargé d'histoire. Il y a un type qui... Enfin, on rigole, mais c'est affreux. Un type qui a été entièrement défiguré, je sais pas si vous avez compris, dans l'appartement où vit Claude, qui n'est certainement pas l'appartement, qui n'est certainement après, pas j'ai vécu aux normes. Je t'assure que j'ai vécu dans d'autres apparts, dont un à Tours, ouais. Chargé d'histoire. Hein. Ah oui, ah oui, oui tu sens des vieux bâtiments qui datent du 18e. D'accord, ouais. Ah ouais, tu t'imagines. Moi, j'étais dans l'appart, j'imaginais déjà les mecs pendre au lustre. Hein, oui. moi, je crois pas aux fantômes, aux maisons hantées, ces conneries-là. Non, non plus. Mais il y avait un côté quand tu m'as rencontré. Attends, on aurait dit le pitch. Non, mais on aurait dit le scénario d'un film fantastique. C'est-à-dire ce mec qui a, je le rappelle, elle a existé juste avant toi. Ouais, mais ça m'a pas marqué tant que ça. Parce que du coup, ça m'est arrivé, je te l'ai raconté, et puis après, hop, oui, ça a disparu de ta tête. Ouais, alors que moi, ça m'a marqué en tant que presque point de départ d'une fiction. Est-ce que ce mec existe vraiment? Est-ce que t'as vraiment vu ce mec? Là, tu vois, c'est Edgar Allan Poe. Exactement, ouais, c'est du Poe. Exactement. Et là, on est dans la forme fantastique. Beaucoup moins drôle maintenant. Un matin, tu te réveilles et tu constates que tes voisins ont changé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas drôle. Avant, j'avais des voisins. Après, je vous prends un témoin, quoi. C'était des jeunes dentistes, petits bourgeois de droite, très sympathiques par ailleurs. Mais j'habite chez eux. C'est-à-dire le terrain, tout ça leur appartient. Et moi, j'ai juste un droit d'entrée. Quoi, voilà. Donc, c'était des jeunes bourgeois de droite. Quoi. Et du coup, après, ils ont voulu vendre l'appart. Mais c'est très difficile à vendre comme appart parce que forcément, tu as un voisin qui est déjà qui habite chez toi. Donc, ce n'est pas forcément agréable. Il y a un terrain qui est inutilisable et en plein centre de Rennes bourgeois. Ça coûte une fortune. Quoi. Ouais. Du coup, la ville a dû prendre la main dessus et maintenant, je me retrouve avec des voisins. Enfin, j'habite chez des Syriens, des islamistes syriens, quoi. C'est-à-dire contre le régime de Bachar al-Assad et tout ça, quoi. Depuis peu, quoi. Et donc, j'ai vu mon voisin Khaled. Alors, t'as ouvert ta porte et tu dis tiens. Ah bah, j'ai ouvert, j'étais le voir, je me suis présenté, je fais c'est comprenez rien, je lui ai raconté. Tout ce que je lui ai dit, c'est Bachar al-Assad. Voilà, je lui ai dit que j'aime bien Bachar al-Assad. Alors, ce qui est marrant, c'est par exemple, les filles, il a des filles et sa femme, quand elles sont dehors, dès que j'ouvre ma porte, dès qu'elles entendent la clé, elles fuient en courant et elles s'enferment dans l'appart. Elles n'ont pas le droit de me parler. Elles ont pas le... Une fois, j'en ai vu une, j'ai dit bonjour, elle ne m'a pas répondu. Elle regarde par terre et elle trace. Ça, c'est incroyable. Tu m'as dit que le premier contact que tu as eu, c'est sa femme, donc voilée. Et... C'est-à-dire que tu fais, t'essayes de vivre ensemble puisqu'on te l'impose. Oui, tu sors, tu dis bonjour. On se répond et pas. La meuf te répond pas. Attends, et non, dis, et puis elle regarde par terre et elle fuit et elle ferme la porte derrière elle et elle n'a pas le droit de me parler. Ça, son mari a dû lui dire le voisin. Très enrichissant, quoi, de vivre avec des gens comme ça. Ah, c'est beau, la diversité. Ça fait plaisir, quoi. Et puis encore, tu me disais que, donc, évidemment, ces gens-là sont aidés par des associations. Le matin, le premier matin, ils étaient là. Le lendemain, j'entendais déjà, à 8h du matin, t'avais déjà une association qui passait pour leur donner des couverts et de la bouffe. Ils ont droit à tout, quoi. Voilà. Mais ce qui est fou, c'est que... Imaginez-vous que les gens de cet assaut... C'est un T2, hein, en plein centre bourgeois de Rennes. Hein, donc le loyer, c'est 600-680 €. Hein. Et ils ne le payent pas. Et ils ne le payent pas. Voilà. Mais c'est ce qui me tue. Mais moi, je ne paye pas ça de loyer, quoi. Oui, mais toi, tu as une cage à lapin, tu la payes 300 balles ou 250 balles, alors que c'est 15 mètres carrés, hein, et c'est insalubre et tout ce qui s'ensuit. Mais tu le payes. Oui. Et eux, ils ont un T2, ils ne le payent pas. Et ils ne le payent pas, ouais. Voilà. Et tu as les assos qui leur donnent à bouffer et tout ça, et ils ne parlent pas un mot de français, et les femmes n'ont pas le droit de parler aux hommes. Imaginez les membres de l'asso qui installent la famille dans un endroit où ils ne vivent pas. Claude se réveille. Bip. Claude se réveille et il voit de ses nouveaux voisins. On lui a imposé des voisins. Et les membres de cet asso, eux, s'en lavent les mains. Quoi. C'est-à-dire qu'ils les installent, ils leur donnent tout, des couverts, etc. Oui. Allez, on vous retrouve la semaine prochaine. En plus, ça se trouve, on va me retrouver poignardé. Ouais. Bah, ça ne sera pas de leur faute. Ouais. Non, c'est des migrants, ce n'est pas la même culture. Il faut comprendre, il faut s'ouvrir au monde. C'est ça, ouais. Voilà. Ouais. Incroyable. Incroyable. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu penses que tu vas déménager? Ouais, je pense que je vais déménager, ouais. Tu sais, quand tu m'as dit ça, j'ai ressenti une énorme tristesse. Parce qu'en fin de compte, tu es un artiste. L'endroit où tu vis, moi, j'y suis allé. C'est minable. Ah oui, c'est minable. Mais en tant qu'artiste, c'est ton lieu de vie. Et si tu veux écrire là-bas, c'est ton choix, tu as le droit. Bah, c'est et en fait, qu'est-ce qui te chasse? C'est pas ton désir d'être dans un truc plus luxueux, plus confortable. C'est des étrangers qu'on t'impose et leur proximité étant insupportable parce qu'ils mettent de la musique, tu m'as dit, très tôt le matin. Tu peux pas bosser, quoi. Je suis réveillé le matin avec la musique. C'est pas possible. Quelle je vais me taper ça, quoi. À Rennes, quoi. Ouais. Incroyable. Alors, est-ce que la littérature peut changer quoi que ce soit? Ah, sur les esprits, ça peut changer énormément de choses. Ah oui? Quoi? Je pense que quand vends ton livre. Bah non, mais quand t'es l'âge où tu étais plus réceptif à l'esthétisme, c'est quand t'as entre on va dire 17 et 23 ans. Oui. Je vais faire une branche, quoi.
C'est-à-dire quand tu es en recherche identitaire, tu sais pas exactement qui tu es, tu veux te définir en tant qu'individu, les choses qui vont le plus influencer, ce sont les œuvres d'art. Oui. C'est-à-dire, par exemple, si tu écoutes du métal, du gothique, tu veux t'habiller en noir, tu veux écouter Cradle of Filth ou Emperor, ouais. Ça t'influence. Tu vois. Ouais. Et du coup, je pense que le roman, c'est pareil. C'est-à-dire, pour influencer la jeunesse qui est en train de se former, lire un roman, moi, j'ai été transformé par la lecture de romans. Ah oui. Dans ma jeunesse, ça m'a structuré. Mais je pense que ça se passe vraiment dans ce que j'appelle la post-adolescence, c'est-à-dire l'âge où on essaie de se définir une identité. Quoi. Moi, Oscar Wilde a changé ma vie, Flaubert a changé ma vie, Rimbaud a changé ma vie. Quel sens ? Parce que tu te recherches, tu ne sais pas exactement qui tu es, tu essaies de trouver des repères, quoi, des repères esthétiques et moraux. Enfin, ouais. Les deux vont souvent de pair, d'ailleurs. Donc tu lis des bouquins et ça va t'influencer, ça peut influencer ta façon de t'habiller, dont tu t'habilles. Tu sais. Mm-hmm. Moi je suis habillé tout en noir, quelque part ça vient du romantisme noir de Baudelaire plutôt. Ouais. Dire, tu sais, voilà, le romantisme noir quoi. Et ça va influencer même jusqu'à ta coupe de cheveux. Hein, tu sais, si tu écoutes du Morrison, tu peux avoir les cheveux longs. Ta coupe, on dirait que c'est un casque, tu as toujours la même coupe, à peu près la même taille. Non, en fait c'est faux, je suis coiffé une fois tous les 6 mois. Et, d'accord. Il y a une semaine, je les avais jusque-là. C'est vrai? Ouais. Ah ouais, tiens, c'est marrant. Mais après, je me suis dit, bon, je vais passer chez Daniel Conversano. Faut que... faut non, si c'est vrai, je me suis fait beau. Voilà. Bah si, attends. Bah si, quand même, il faut passer à la télé. Bah oui, c'est comme ça, quoi. Le format nouvelle, est-ce qu'il correspond à ta psychologie, à une espèce d'instabilité émotionnelle? J'ai l'impression que tu aurais du mal à écrire un roman. Si, j'ai déjà écrit des romans plus longs. Ouais. Après, c'est la fainéantise. Je me complais dans le premier jet. D'accord. Par orgueil ou par fainéantise ? J'écris un premier jet, après je le relis, puis je me dis c'est bien. Ouais. Des fois, je vois les défauts, des fois même saute aux yeux, quoi, mais je me dis ouais, mais ça fait partie du truc. Un livre, c'est comme une vie, quoi. Il y a des cailloux, quoi, des sauts. Quoi. Lorsque tu te relis, tu veux dire que tu as tendance à garder beaucoup de choses, à supprimer le moins possible pour garder Je supprime quasiment rien. Ouais. J'écris, je garde quasiment le premier jet tout le temps. D'accord. Et des fois, je vois bien qu'il y a des pages qui sont moins efficaces que d'autres. Il y a des moments forts. Ouais. Voilà, dans Le Croque-Mort, par exemple, si vous lisez En Marge, justement le moment où le mec casse la gueule à l'arabe, c'est un moment fort. Ça. Je sais que je l'ai réussi. C'est-à-dire, quand d'accord. je le relis, je me dis, ouais, c'est ça, quoi. Ouais. Ça passe, quoi. Et il y a d'autres moments, un moment, je veux voir un cousin, tout ça. Ouais, c'est moins essentiel. Mais après, si tout doit être essentiel, après, on retombe chez Flaubert. C'est-à-dire. À la fin, ça devient un casse-tête chinois. Il n'y a même plus de plaisir à écrire. Quoi. Enfin, Je comprends. Il n'y a même des fois pas de plaisir à lire. C'est-à-dire quand tout est d'un niveau exceptionnel, tu as du mal à avoir le plaisir de la lecture. Je ne sais pas comment dire, parce que ça nécessite un effort, en fait. Ça nécessite un effort. On parlait des deux étendards tout à l'heure. Si on a parlé des deux étendards, c'est un chef-d'œuvre de A à Z. Oui, oui. Toutes les pages sont bonnes. Moi, j'ai eu ces sentiments face à des bouquins de Blois où c'est très très bien écrit tout le long, le désespéré. Mais tu as l'impression d'un exercice littéraire. Le désespéré, c'est un chef-d'œuvre. Hein. Son journal aussi, moi je conseille aussi la lecture de son journal. J'ai découvert ça chez un libraire. J'adore Léon Blois. Je me trouve même des points communs avec lui. Ouais. C'est un christianisme tragique, décadent par certains aspects. Oui, tragique, voilà, c'est ça. Mm-hmm. C'est Kierkegaard est un peu dans le même truc. Ça me fait la beauté dans la tragédie, le côté désespéré, complètement pessimiste. Et puis, Blois a un style flamboyant. Flamboyant. Et puis, sa vie est très intéressante, avec ses enfants, sa femme, dans la pauvreté. Ouais. C'est vrai. C'est une forme de romantisme aussi. Hein. C'est amusant de se dire que Léon Blois est encore disponible dans des librairies tout à fait classiques, à Artaud ou même à la Fnac. Vous pouvez trouver Le Désespéré de Léon Blois. Alors que pour ceux qui l'ont lu, il y a des pages totalement antisémites, par exemple. On va dire, certains auteurs qui sont morts depuis certaines années... Ah, il était violent, hein, Léon Blois, c'est la littérature avec violence, quoi. Ouais. Mais je me reconnais là-dedans. C'est-à-dire, certains auteurs, dont un que tu as publié, il s'appelle Isara, c'est ça, qui considère... Enfin, j'ai discuté avec lui un petit peu sur Facebook, et pour lui, la littérature, c'est un plaisir. C'est-à-dire, en gros, il m'a dit, si tu veux que les gens prennent du plaisir à lire ce que tu leur as préparé, il faut avoir pris plaisir à le préparer, quoi. Mm-hmm. Et ça... Ça correspond pas trop à ta façon de faire. Pas du tout. Non. Ouais. Pour moi, la littérature, c'est un acte de violence, quoi. C'est quelque chose qui te fait limite du mal. Et c'est pour ça que je me reconnais dans Léon Blois. Mm-hmm. Parce que Léon Blois, je sais que c'est ça, quoi. Ouais. Que la littérature, c'est pas quand t'écris, tu fais plus souffrance
que tu prends ton pied, quoi. Mmh. C'est pas un pur plaisir d'esthète à associer des mots avec des mots, quoi. Ouais, oui, c'est ça. C'est plus douloureux que ça, quoi. C'est ouais, même trop douloureux. Et des fois, on a même besoin de s'éloigner de ça. Mmh. Tellement ça peut être néfaste. Ça peut avoir, la littérature peut avoir un effet, quand on écrit, complètement néfaste sur notre vie. C'est vrai. Bah, je me souviens justement, tout à l'heure, on parlait de Nab et il avait écrit un truc très beau sur... les journaux intimes, l'exercice journal intime, il a dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai perdu 10 ans de ma vie. Parce que ça fait, je suis prisonnier de mon propre journal. Parce que j'ai dit que je devais écrire un journal, je le fais, et je ne sais même plus pourquoi je le fais. Et en fait, Nam se retrouvait dans des situations absurdes où des fois, il avait du retard. Bon, mettons, il était malade ou il allait en vacances, ou je ne sais pas quoi. Et il devait rattraper 15 jours de journal. Donc, il devait fouiller dans sa mémoire pour savoir qu'il avait fait. Oh là là. Ça devenait ridicule. En fait, il était esclave de la littérature. Ouais. Mais en même temps, j'ai trouvé ça assez beau. Quoi. Oui, mais c'est vrai, parce que même quand on commence un roman, on est esclave de son roman. Oui, ouais, c'est ça. À un moment, on a la narration, on a l'idée de l'histoire. On voit. Ça apparaît comme un rêve, en fait, quand on commence un livre. Moi, j'écris par nécessité. C'est-à-dire, je me dis pas, je vais écrire pour écrire. Un jour, je me réveille, j'ai l'idée d'un truc, et je dis ça, faut le raconter. Ouais, souvent, c'est souvent lié à une de mes histoires personnelles. C'est-à-dire quand j'ai eu des traumas dans la vie, enfin des traumatismes, ça peut être un décès, ça peut être des choses comme ça. C'est souvent à ces moments-là que je vais prendre un bouquin, quoi. Mais après, après, tu te retrouves enfermé dans ton livre, quoi. Et c'est pour ça que moi, j'ai tendance à les écrire en 15 jours. Voilà. C'est-à-dire, ce que il y en a certains qui vont sortir des romans de 150 pages et qui vont bosser 3 ans dessus. Ouais. Moi, je vais écrire 70 pages en 10 jours, quoi. D'accord, ouais. Enfin, je vais écrire, ouais, ça. Ça donne des univers cohérents parce que tu es resté, tu as baigné dans la même histoire. C'est parfois difficile, justement, d'écrire un roman sur longtemps, sur une longue période. C'est ça, oui, voilà. Après, pour replonger dedans, puis tu changes aussi. Après, retomber dedans, pourquoi pas. Enfin, après, on en a parlé tout à l'heure ensemble, chers amis nationalistes, mais... Après, oui, réécrire un livre plus long de 400 pages, voilà, tu sais. Mais essayer de faire quelque chose de vraiment basé que sur le style, ça m'intéresserait assez. J'ai beau me vouloir profond, je reste très superficiel comme garçon. J'aime la poésie, j'aime les alexandrins. À un certain niveau d'intelligence, la littérature devient ou reste un divertissement. C'est-à-dire, en gros, il ne faut pas oublier que même si on a affaire à des hommes très intelligents, on lit aussi pour se divertir. C'est pas, il faut pas mentir aux gens, quoi. Mais après, ça peut être de l'esthétisme pur, quoi. Ouais. Et ça, je suis assez attiré par ça. J'adore Mallarmé, par exemple. Ouais. Mallarmé, c'est de l'esthétisme pur. Ouais, c'est du vers pour du vers. C'est faire le vers original qui sonne bien avec les bonnes allitérations. Ça me parle. Donc, pourquoi pas demain retomber là-dedans. Et je l'ai fait. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle Le Serpent Jaune, qui est un roman de 170 pages à peu près. Ouais. C'est du style, quoi. C'est que du style. D'accord. Ça parle que du style. D'ailleurs, le serpent jaune, c'est un personnage, c'est un serpent qui parle, en fait. D'accord. C'est un mec qui vit avec un serpent qui parle. Et le serpent incarne, en fait, l'art, l'esthétisme. Mm-hmm. Et il le fascine pour ça, quoi. Donc, il le sort de sa vie et tout ça. Et lui, le serpent ne jure que par la poésie, que par Wagner, par la grande musique. Pourquoi pas un jour retomber là-dedans, quoi. D'accord, hein. On verra bien ce que ton cerveau te commande de faire. Ouais, voilà, mon cerveau et mon foie. Ah, ça. On doit dire aux gens qu'on vous doit l'honnêteté, il y a du sexe aussi dans tes livres. En tout cas, c'est... Il y a pas de... On ne peut pas considérer ça comme érotique. Enfin, c'est très peu décrit. Enfin, C'est vrai, mais en tout cas, ce n'est pas éludé, quoi. Le sexe a une importance pour toi dans la vie. C'est pas quelque chose d'anecdotique. Après, c'est le mystère de la vie, hein. C'est la chute. Hein. Ouais. C'est Adam et Ève. Hein. Donc, on peut pas avoir un discours construit sur la métaphysique ou sur l'au-delà sans avoir un point de vue sur le sexe. Ouais. Parce que la notion de chute, de péché originel, inclut forcément la sexualité. Mmh. Et la sexualité, c'est quoi? C'est le sublime et l'immondice qui s'associent. Parce qu'on fait l'amour par là où on fait pipi et puis on se caresse par là où on fait caca, quoi. Ouais. Donc, le sexe est forcément lié à la métaphysique. Donc, on ne peut pas parler de métaphysique sans parler de sexe à un moment ou à un autre. Oui. Et donc, quelle est ta... En tant qu'homme de droite et en tant que catholique, est-ce que tu as un rapport conflictuel au sexe ou tu penses que le plaisir a une valeur en soi et qu'il ne faut pas le diaboliser? Je pense comme Baudelaire. Baudelaire pensait que ce qui créait le plaisir en fait, sexuel, c'était le fait d'être persuadé de faire le mal. D'accord. Ah oui, c'est une vision très... Ouais, si, dans ses journaux, à lui, dans ses notes, dit l'homme et la femme, en fait, étant persuadés de faire le mal, c'est par là qu'ils ont la jouissance. D'accord. C'est exactement ma définition du sexe. Ah ouais. Je pense que c'est quelque chose de foncièrement diabolique que j'adore. Mais alors, quelles sont les limites? Parce que... Ah bah, les limites, bah, je,
cet après-midi, avant de rejoindre Daniel, j'ai été boire un verre et j'ai lu Georges Bataille. Et Georges Bataille, c'est, il a écrit des nouvelles érotiques, voilà. Oui. Et lui, ça va très loin. Lui, il va se faire pisser dessus, l'urine, même la merde. Parce que je vais pas jusque-là. Voilà. Mais je comprends l'idée que dans la perversion, l'idée de faire quelque chose d'interdit, de cochon, ça soit excitant. Mais il faut tout de même fixer des limites morales. Tu vois, je sais pas, par exemple. Alors, dans ce cas, si tu vas au bout de cette logique, la pédophilie, c'est le sommet du mal. Donc, ça devrait t'exciter. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a des leviers quand même. Dans le monde réel, bien sûr que je condamne. Je trouve ça complètement fou de baiser avec des gens qui ne sont pas sexués physiquement. Oui, c'est absurde. Quand les marques du sexe sur eux, c'est absurde et ça doit donner de la prison. Oui. Non, mais je ne te demandais de soutenir. Même la tragédie grecque est marquée par des phénomènes de pédophilie. Après, il ne faut pas confondre la vie et l'art. Je sais, je donnais un exemple paroxystique du plaisir lié à une chose diabolique, parce que les propos que tu as tenus vont peut-être choquer des gens. Comment ça, le sexe, on trouve du plaisir dans ce qui est horrible, tu vois? Dans le fait d'être persuadé de faire le mal, je pense que dans la jouissance, moi je suis un homme, après dans la jouissance masculine, je pense que c'est le cas. Après, pour avoir eu plusieurs maîtresses dans ma vie, et pour en avoir discuté avec elles, le plaisir féminin est aussi lié à ça. C'est-à-dire la notion de se faire souiller, par exemple, ça excite beaucoup les femmes. Oui. Le fait d'être sali. Pas toutes, celles qui sont honnêtes, si. Voilà. D'accord. Celles qui sont malhonnêtes, elles te diront non, elles font l'amour que pour faire des enfants. Voilà. Ah, tu es bien orgueilleux, tout de même, quoi. Tous les goûts existent. Je pense qu'il y a des femmes qui n'aiment pas être souillées, honnêtement. Moi, je pense que la jouissance, elle est liée à la souillure. Ah ouais ? Au péché originel. Mm-hmm. Là, je suis catholique, tu sais. Je suis pas... C'est parce que les cathos qui écoutent cette émission vont te dire, crois-moi bien, quoi. Ce garçon est catholique, il se drogue, il baise. Quand il baise, il pense à des choses méchantes. C'est fabuleux, ça. C'est vrai. T'as toute ta place dans les éditions Conversano. Tout ce qui est dit sur moi est vrai, c'est fantastique. Quelle horreur. Oui, c'est vrai. On pourrait se servir de moi contre toi. Ouais, et c'est probablement ce qui va se passer après cette émission, mais c'est pas grave. Je prends le risque. Qu'est-ce qui nous attend après ce livre En Marche que j'ai dit ? Qu'est-ce que tu réserves aux éditions de Dany ? Publier Le Serpent Jaune, peut-être, le livre dont je t'ai parlé avec Le Serpent qui parle. C'est vrai. On verra. Il faut voir la réussite du premier livre. Après, ça dépend de vous. Tu disais que tu faisais une pause dans l'écriture. Est-ce que tu es toujours dans une phase de repos, en de réflexion ? Je ne sais pas quand j'écris. Je suis sous hypnose. C'est-à-dire, je peux arrêter d'écrire pendant 3 semaines, 1 mois, et puis d'un seul coup, ça va me prendre. Et puis quand ça me prend, d'un seul coup, en 15 jours, je vais accoucher d'un texte. Quoi. D'accord. Et il me faut un trauma. Il faut que je vive quelque chose de fantastique. C'est-à-dire, quelque chose qui sort de la norme. Quoi. D'accord. Et pour ça, par exemple, Le Croque-Mort, c'est une nouvelle que vous pourrez lire en marge. Hop, c'était les attentats. Oui. D'un coup, il y a eu les attentats. Après, j'ai vécu les attentats avec une copine, donc j'avais passé la soirée avec elle. Le Bataclan, l'apéro, tu veux dire ? Voilà, on avait bu l'apéro, on a discuté de ça. Après, on était en boîte de nuit, et puis je suis rentré chez moi et j'avais l'histoire. C'est mon week-end des attentats. Tac, ça clôture un truc, esthétiquement, ça avait un sens, il y avait un début et une fin. Ouais. Ça, c'est parfait, quoi. D'accord. Donc, il me faut un trauma. Il faut que je vive des choses, en fait. Mm-hmm. Et ça, c'est... par contre, c'est un challenge, quoi. Parce que vivre des choses, c'est pas si évident que ça. Oui, surtout que tu as une vie assez monotone. Finalement, tu es assez sédentaire. Tu es toujours un peu dans ta ville. Oui, oui, donc, c'est vrai. C'est difficile d'imaginer des choses qui vont te stimuler. Forcément, il faudrait que tu le provoques, quelque part. Je le provoque, quoi. Mm-hmm. À ma manière. Ouais. On peut pas parler de trop de choses parce que ma mère va regarder la vidéo. T'as qu'à pas lui envoyer, pourquoi t'en vas te dire à ta mère? Parce qu'il y a la tour Eiffel derrière, c'est ça, t'es fier, tu vas lui dire tiens maman. Il y a la tour Eiffel de veille derrière, on n'est pas des guignols. Prenez pas pour un guignol. Et puis n'allez pas accuser Daniel de je ne sais quoi parce qu'il m'a invité. Mais non, mais écoute, il y a plusieurs, dans mon volonté d'éditer des gens, il n'y a pas que la politique, il y a aussi la volonté de mettre en avant des gens de qualité. Et je pense que la littérature, il n'y a pas de limite à se mettre. Du moment que je considère quelqu'un écrit bien, je l'édite et puis c'est tout, quoi. Je me pose pas de questions. On verra. Bon, je dis ça et bilan dans 6 mois. S'il en vend en 20, c'est fini. Non, notre relation est terminée. Franchement, vous n'allez pas vous faire chier en me lisant. Franchement,
Par contre, ça, je peux l'assurer face caméra à tes éditeurs, enfin, à tes auditeurs plutôt. Vous n'allez pas vous ennuyer, hein. Ça, je vous assure. Vous allez même apprendre certaines choses. C'est pas voilà, faux. C'est... On va dire pour les gens qui n'ont pas un plaisir spécial à lire, ils n'auront pas de déplaisir en te lisant. Ils suivront l'histoire, tout s'enchaîne vite. C'est vrai qu'il y a un côté où, moi, pour le travail éditorial, j'ai dû le lire 2, 3, 4 fois. Et parfois, je réalise que j'ai lu 50 pages, je ne m'en suis pas rendu compte. Et ça, c'est vraiment c'est une qualité narrative. En fait, tu as des qualités de narrateur. Oui, je pense. Moi. Ouais. Si j'ai un talent, c'est celui-ci, c'est, je sais raconter des histoires. Mmh. C'est le seul truc peut-être que je sais faire de ma vie. Mais tu as travaillé avant. T'étais dans... Je ne sais plus si on l'a évoqué. J'étais dans imprimeur, j'étais commercial, j'étais bibliothécaire. Ouais. J'ai tout un passif, quoi. Mais après, à un moment, je pense qu'on n'a qu'une seule vie, sur cette terre, du moins. Moi, je crois en l'au-delà. Après, ça, c'est une autre question. Mais faut se fixer à un objectif et le suivre jusqu'à la mort, quoi. Pour faire quelque chose d'efficient, quelque chose d'efficace et de cohérent, il faut se fixer un objectif et pas en démordre. Voilà. C'est intéressant. Donc toi, tu as choisi la littérature. Voilà, moi, je dis ça. Voilà, je peux finir à la rue, faire la manche, j'en ai rien à branler. Parce que tant que j'ai suivi mon astre, ouais. C'est mon astre, quoi. À quel moment polaire, tu as pris la décision d'être un écrivain, de dire « j'aurai ce destin, je vais me le construire ». À 14 ans. Ouais. À peu près, ouais. 14-15 ans. Mm-hmm. C'est en lisant Rimbaud. Ah ouais. T'as pas eu des moments de doute quand même où tu t'es dit... Bah si, bien sûr. Mm-hmm. Bah si, enfin, les moments de doute, c'est surtout le pécuniairement que ça s'est entendu. Et les grands moi, principes. Par contre, j'ai jamais douté de moi. Qui ne se croit pas du génie n'a aucun talent. Ouais. C'est pas de moi. Je sais pas c'est de qui aller chercher sur Google, mais... Répète un coup, j'ai pas entendu bien. Qui n'a pas du génie... Enfin, qui ne se croit pas du génie n'a pas de talent. D'accord. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut être à moitié fou pour créer. Quoi. Il faut croire en soi. Il faut être persuadé aussi d'être né sous une bonne étoile, de suivre sa route. Voilà. Mm. Donc, qui ne se croit pas du génie n'a pas de talent. Mm-hmm. Donc, le fait même de créer est complètement mégalomaniaque. Ouais. C'est mégalo de se dire je vais écrire un texte et les gens vont le lire. C'est vrai. D'ailleurs, c'est la même chose pour l'apparition sur Internet, sur YouTube. Il y a une forme de narcissisme qui est indéniable. Si je ne m'aimais pas, je ne pourrais pas publier des vidéos si souvent. C'est logique. C'est exactement la même chose, au final. C'est la même chose, oui. Après, j'ai un rapport placide à mon narcissisme. Je suis pas, je suis pas fier, particulièrement fier, mais juste, je reconnais que si je me déplaisais totalement, je ne pourrais absolument pas faire ce que je fais. Ça, c'est sûr, quoi. Alors, parle-nous un peu de ta ville. On en a parlé dans l'autre émission qui n'est pas sortie. Pourquoi tu as choisi Rennes et pourquoi tu t'es fixé là-bas? Tu veux la véritable histoire? Oui, je veux la véritable histoire. La véritable histoire, c'est que je suis sorti avec une nana qui s'appelait Cindy. Je devais avoir 24 ans. Et on se voyait, elle me récupérait plutôt en fin de week-end quand j'avais fait la fête et tout ça. Ouais. Donc je passais le dimanche et le lundi chez elle en fin de soirée. C'est-à-dire quand t'as pris, quand tu peux avoir picolé ou avoir pris de la drogue et tout ça, elle me récupérait la petite cuillère, on va dire. Mm-hmm. Et. J'allais chez elle quasiment tous les week-ends. Et puis à un moment, c'était un week-end tous les 15 jours. Après, c'était un week-end tous les mois. Et puis on s'est un peu perdu de vue. Et puis hop, elle s'est pendue. Et donc elle s'est suicidée, quoi. Et elle m'avait dit qu'elle voulait faire ses études à Rennes. Ouais. Et moi, par filiation, je me suis dit, je vais aller sur Rennes pour faire ce qu'elle n'a pas fait, quoi. D'accord. Ouais. Voilà, c'est ça la vérité. Pourquoi elle s'est pendue? Je sais pas. Est-ce qu'on peut avoir une réponse à ça? Mais je ne sais pas. Certains laissent un message avant de se tuer. Non. Cindy, elle était désespérée. C'est ce qui nous reliait. C'est que moi, j'ai toujours été un pessimiste radical. Elle était désespérée. On ne s'aimait pas d'amour. On était des super amis. Ouais. Et on baisait ensemble. Voilà. Mais on n'était pas un couple. Ça fait penser à une phrase de ce film magnifique avec Alain Delon, le professeur. Il joue, c'est un film italien, un vieux film italien, et il y a une relation comme ça ombrageuse avec une femme, et il lui dit tu ne te rends pas compte du pathétique, on s'aime par désespoir. J'avais aimé cette formule, c'est la rencontre de deux déprimés. Ouais, c'est ça. Mais qui se tenaient comme ça. C'était ça, on était deux déprimés, comme tu dis. Voilà, c'est la même histoire que tu racontes. Ouais. Et elle m'avait dit, on discutait beaucoup quand même, ouais. En fumant des pétards, voilà. Quand moi je rentrais défoncé.
Et elle me disait, ah, elle voulait faire une étude de dessin sur Rennes. Mm-hmm. Et donc moi, après, quand la solution est arrivée après pour bouger et faire mes études, bah, je me suis dit, tiens, je vais faire... Une fois, j'ai cru la voir dans Rennes. C'est vrai ? Ouais. Ah, ça veut dire... ouais, j'étais en voiture et je me suis dit, tiens, c'est Cindy. Et je me suis retourné, et ben non, ça ne pouvait pas être elle, elle était morte. Et voilà. T'étais stone à ce moment-là ? Peut-être, oui. Coquin. Yeah. Ça t'a créé un traumatisme, je suppose. Est-ce que tu as changé depuis ? Parce que quand on a quelqu'un de proche comme ça qui meurt, c'est... J'étais déjà assez dramatique à l'origine. Ouais. Attends, il reste peut-être du pommeau. Ouais. Il en reste. Non, j'étais déjà très tragique à l'origine, mais ça, c'est clair que ça ne m'a pas arrangé du tout. C'était quelque part... pendant un moment, ça a été ma meilleure amie. Quoi. Oui, oui. C'est vraiment quelqu'un de confiance. Elle me beurrait mes biscottes le dimanche matin avec mon chocolat au lait. Elle me préparait tout comme une mère. Ouais. Alors que moi, j'avais passé une soirée plus un after jusqu'au dimanche midi. Quoi. Ouais, ouais. Donc, elle faisait attention à moi comme une mère avec son gosse. Quoi. Ouais. Voilà. Donc, quand elle s'est flinguée, elle avait pris des lacets de chaussures. Elle avait fait une tresse ouais. Sur plusieurs mètres. Et elle s'est pendue avec ça dans sa chambre. Tu as pris ça par ses parents, ça, ou par... Non, bah, c'était... Ouais. J'ai dû voir, j'ai pas été à l'enterrement, j'étais incapable d'y aller, j'étais trop détruit. D'accord. J'aurais été déplorable et je voulais pas donner ce spectacle, quoi. Je comprends. Après, j'ai été voir sa mère après, plus tard, ouais. Deux, trois fois. Que t'a-t-elle dit ? Est-ce qu'elle t'en voulait d'avoir entraîné un peu sa fille dans le... Non. Ça, pour sa mère, j'apportais que du positif à Cindy. D'accord, parce qu'elle était comme ça de toute façon. Bah, passer ses journées, Cindy, enfermée dans sa chambre, elle fumait du shit. Ouais. Enfin, elle ne vivait plus. Même ouais. Moi, quand je la fréquentais, j'étais une des seules personnes qu'elle voyait dans la semaine, quoi. Donc, elle était déjà au fond du gouffre, quoi. Ouais. Tu penses pas que ce qu'on dit les drogues douces, le shit a un effet sur la dépression? C'est la pire des merdes, en fait, le shit. Ah oui? C'est la drogue des branleurs. Quand tu te mets à fumer, tu fais plus rien. Ouais. Ça t'enlève toute motivation. C'est vraiment... C'est ce qu'il y a de pire. Moi je vous conseille plutôt... tiens, si vous prenez de la drogue, prenez de la coke. Voilà, c'est... Excitez-vous les neurones, créez, faites des choses, quoi. Et sortez, surtout sortez, voyez du monde, quoi. Pourquoi la shit, cocaïne a un effet excitant? Bah, complètement, c'est un dopant, dopant intellectuel. Hein. Freud, il a écrit toute son œuvre sur cocaïne. Enfin, voilà. Ouais, c'est sûr que ça, ça. Ah oui, c'est sûr, oui. Ah, oui, ouais. C'est certain. Bah, la cocaïne, à cette époque-là, s'achetait en pharmacie. Hein. Mm-hmm. C'était pas une drogue qu'on achetait dans la rue à 70 euros le gramme. Hein. Ouais. Ça s'achetait comme ça. Hein. Mais bah, bien sûr, enfin, c'est logique. Mais après, le shit, c'est vraiment la drogue des perdants. Quoi. C'est comme l'héroïne, en fait. Les deux pires des drogues, c'est le shit et l'héroïne, quoi. C'est, ouais. Ça rend... accro très... Neurasthénique, quoi. C'est bon à rien, envie de rien, et puis je reste à me défoncer, et puis hop, je me pose devant un film, et puis je passe ma vie devant un film à rien foutre, quoi. Ouais. Et c'est le shit et l'héroïne, quoi. Ouais, c'est voilà. Terrible, ça. Ah oui, pour moi, c'est ce qu'il y a de pire. Moi, je touche pas à ça. Ça fait penser au sketch d'inconnu, les bonnes et les mauvaises drogues. Contacte Claude Marion en MP. La bonne drogue, c'est celle que tu prends, tu vois, tu la prends, ça te fait un effet, tu vois, et tu tripes. Vas-y, tripes. La mauvaise drogue, tu la prends, tu tripes, ça te fait un effet, tu vois. Mais c'est un bad trip. Tu tripes. Mais si tu mets l'alcool sur tout ça, ça va, ça passe. Oui, l'alcool. Ouais, l'alcool, en plus, c'est légal et puis c'est français, quoi. J'aurais bien aimé te présenter à Guillaume Fay, je pense que vous seriez bien entendus tous les deux, quoi. Pense aussi. Beaucoup de... J'aurais beaucoup aimé, j'aurais adoré la rencontre. Un mec que j'aurais. Bah, tiens, qu'on pourra en parler d'ailleurs, c'est Tepa. Oui, t'aurais. Bah... Putain, être édité par Daniel Conversano, je me suis dit, je vais passer chez Tepa. Ouais. Ça t'aurait fait plaisir de le rencontrer, mais t'as toujours eu de la sympathie pour lui. Ah oui. C'est vrai. Et puis pour moi, le fait d'être édité chez toi, c'était par résonance, passer chez Tepa. Oui, bien sûr, et c'est un mec que tu as souvent vu sur Internet. Il y avait une volonté comme ça de t'inscrire dans une forme d'histoire des médias alternatifs. Quoi. Mais ça m'aurait plu de rencontrer ce mec-là et de faire une émission avec lui, j'aurais kiffé. Ouais. Ouais, parce qu'en plus, oui, c'est un truc qu'on dit assez peu sur Tepa, mais il était sensible à l'art pour l'art. C'est pas seulement un mec patriote, bas du front, sur une ligne comme ça, un peu très commune finalement dans le milieu patriote. C'est un mec qui aimait vraiment l'art. Par exemple, il avait lu le bouquin de Guérin, il l'appréciait, il lisait de la poésie. Enfin, il était influencé comme ça par toutes les figures littéraires comme ça de la dissidence. C'est bon, en tout cas, je t'avais évoqué, hein, je me souviens avant de quelques mois avant qu'il meure. Ah bah ça, c'est la grande tragédie qui s'est passée quand même. Je m'en doutais pas. Ouais, c'est vrai. Moi, ça m'a fait chier personnellement. Ouais.
Bah, c'est la fin d'une ère, quoi. C'est la fin d'une ère. Meta TV, ça représentait quelque chose, quoi. Ouais, dans, c'est vrai. Dans la liberté d'expression, enfin, c'était quelque chose, quoi. Tu vois. Après, bon, toi, quelque part, tu reprends les rênes derrière, quoi. Oui, c'est vrai. Mais lui était spécialiste. Il faisait que ça. Il faisait beaucoup d'émissions. Il y avait un côté rendez-vous chaleureux. Te passe, c'était vraiment le. Et puis ça pouvait durer des heures. Ouais, ça pouvait partir en couillette. C'est, voilà, c'est vrai que moi, ça correspond pas à ma personnalité. C'est un truc que j'aime pas trop faire. Mais c'est la qualité de Te passe, c'est que quand tu voulais passer du temps comme ça pendant 4 heures à écouter quelqu'un, même si des fois il y a du gras, il y a des choses qui sont pas trop utiles, il y a un plaisir aussi à la conversation, il y a un plaisir à se perdre dans le discours même d'un fou. C'est un truc que je dis, moi, c'est peut-être mon côté gauchiste, mais j'aime parfois écouter un fou. C'est ça, ça te donne des idées, ça te fait rêver, et c'est un format qui est libre maintenant, qui n'existe plus. Bah oui, voilà. Et donc du coup là je vais vraiment en parler d'un sujet fâcheux, quoi, mais c'est la réaction de Soral sur Te passe, quoi. Ah oui, ça t'a choqué? Ah ouais, complètement. Mmh. Enfin, à un moment, Soral, je suis en désaccord avec ses idées, ça c'est certain. Mais à un moment, il me choque humainement, quoi. C'est-à-dire, on ne peut pas se satisfaire de la mort d'un ennemi, même d'un ennemi. C'est-à-dire qu'on a un petit peu lui qui se veut de la chevalerie, enfin, avec à sa droite, il y a le Christ qui est assis à côté de lui. Enfin, on ne peut pas se satisfaire de la mort de quelqu'un. Et le traiter de comment il l'a traité. Enfin, quelqu'un qui n'était pas particulièrement hostile, c'est pas non plus quelqu'un qui a vraiment passé sa vie à pourrir celle de Soral. Oui, en plus, il a pas pourri Soral, mais qu'est-ce qu'il a dit Soral exactement? C'était. Franchement, je crois que je préfère pas le répéter, mais en gros, il est mort du rire, quoi. Ouais, mais voilà, Soral, je respectais pas ses idées, maintenant je respecte plus l'homme. Oui, ouais, c'est ça. Bah, c'est pareil pour beaucoup de gens. Écoute, on est là pour prendre le flambeau. Des après, moi, t'as le dernier des connards pour écrire des saloperies pareilles. Enfin, faut. Même que. Tu peux être en lutte d'idées avec quelqu'un, en lutte idéologique, mais faut respecter son ennemi, enfin faut respecter son adversaire. Oui, c'est vrai. Mais c'est... quand Hitler il a envahi la France, il a respecté la France aussi, hein, il a pas détruit Paris. Oui. Par exemple, il voulait pas détruire Paris, quoi. Donc Hitler était. Mais il y a un débat là-dessus. Paraît-il qu'avant de partir de France, il aurait voulu détruire Paris. Non. Mais il le dit dans Mein Kampf, déjà qu'il respecte Paris. Oui. Non, mais c'est l'histoire de Paris brûle-t-il. Hitler aurait appelé pour savoir si vraiment. Les Allemands avaient détruit la ville avant d'être partis. Hitler ne voulait pas détruire Paris parce qu'il avait trop de respect pour cette ville. Ouais. Voilà. Soral, il respecte rien. Moi, ouais, tu sais, j'ai le sentiment pas que c'est de l'autodestruction. C'est-à-dire, quand je l'ai vu écrire ce message, j'ai pas cru déjà que c'était lui. Et quand j'ai compris vraiment son profil VK, que c'était vraiment lui, quel est le projet autre que se faire haïr? Après, il faut voir à l'heure où ça a été édité, quoi. Le mec, il est 2h et quelques du matin. Oui, d'accord, mais peu importe. Même si oui, toi, t'es défoncé à 3h, tu vas pas écrire le contrat, ce que tu penses, quand même. Oui, mais Soral, c'est ça. Tu regardes, à chaque fois qu'il écrit des messages qui sentent le souffre, à chaque fois, il est 2h, 3h du matin. Donc, j'aimerais bien savoir à quoi il marche, quoi. Mm-hmm. C'est la question que je me pose, quoi. C'est, est-ce qu'il est complètement à jeun, quoi? Oui, oui. Et je pense pas. Ouais. L'œil du conseiller, quoi. Ouais, bah, la drogue n'améliore pas tout le monde, peut-être. Non, je pense pas, non. Ouais. Bah, je pense que lui, ça lui cause problème. Et la moitié de ses procès, c'est parce qu'il est trop défoncé, il écrit n'importe quoi. Ouais. Ouais, fallait en parler. Je voulais parler de la mort de Tepa, parce que je respecte pas. Enfin, je respectais Tepa, je sais pas comment on doit en parler, quoi. Et j'aurais vraiment kiffé de passer chez lui. Mm-hmm. Et via toi, je pensais que c'était open bar. Toi. Oui, bah, et je pense que ça serait fait. Ça se serait fait, mais voilà. Même pas par copinage. Simplement, je t'aurais présenté, j'aurais dit, tiens, il y a une personnalité particulière, je l'édite, lis le livre. Il l'aurait sûrement fait, oui, c'est sûr. Bon, de toute façon, écoute. Non, bah après, c'était une grosse perte dans le milieu. Enfin, le milieu de la dissidence, te passe. C'est une grosse perte. Mm-hmm. C'est sûr. Mais puisqu'on est sur des sujets sombres, tu as parlé de ton ami parti, est-ce que tu as déjà songé au suicide? Oh oui, bien sûr. Parce que on le ressent un peu dans ton livre. Oui, pareil, c'est un des thèmes communs. Si on me disait, si un jour on m'appelle et on me dit que tu t'es suicidé, ça m'étonnerait pas. Mais je dis pas ça en fait, avec le vice de l'éditeur qui voudrait que ça se produise. Mais que je ne sais pas. Tu vois, t'es typiquement le genre de cas, je ne sais pas comment t'aider. Je t'ai parlé de mon livre qui était structuré autour de thèmes communs. Ouais. Et un des thèmes communs aussi à tous les livres, c'est le suicide. Mmh. Voilà. C'est ça, c'est une ligne rouge, quoi. C'est un fil rouge qui est tout du long, on va dire. Voilà. Un truc qui est certain, je n'ai pas peur de la mort. C'est-à-dire, je suis trop croyant pour avoir peur de la mort. Je suis, vraiment je suis intimement persuadé que j'existe, je le constate tous les jours. Ouais. Et les choses ne peuvent pas s'arrêter comme ça. Ça ne peut pas être que ça. Mmh. Ça me paraîtrait... En fait, le plus délirant, c'est qu'il ne se passe rien après. Quoi. Ce serait ça, la folie totale. Ah, tu trouves que c'est ça le plus improbable? Voilà. Mais par contre, un truc que je n'aime pas, c'est vieillir. Ouais. Voilà.
Et ça, je ne me vois pas finir à 80, 90 ans. Donc, je pense que je partirai. Mais pourquoi ? Pour des raisons un peu bêtes, un peu physiques, Pour des raisons esthétiques. Ouais. Pour des raisons esthétiques, ouais. C'est vrai qu'on est souvent moche quand on est vieux. Ouais, j'ai pas envie d'être vieux et moche. Ouais. Donc, je pense que je partirai avant. Donc, ouais. Pour répondre à ta question, je pense que... Oui, je pense. Et c'est pas en désaccord avec ta doctrine catholique, enfin, tes idées ? Et tu laisses après, remarque. Hein. Jésus, quand il était... il savait qu'il allait être crucifié. Ouais. Il y a été foncièrement... Ah, écoute, tu vas pas blasphémer. C'est un blasphème de dire que Jésus s'est suicidé. Non, mais il savait que c'était son destin d'être suicidé. Oui. Il l'a pas refusé. C'est vrai, mais quand ils ont été arrêtés au jardin des Oliviers, il s'est laissé arrêter. Ouais. Donc il allait à la croix. Donc quelque part, que Jésus, n'est-ce pas un suicide ? Voilà. Ça, je sais que je vais déplaire à plein de bourgeois de droite, mais ça, après, je les emmerde quelque part. Quoi. Amusant, ce que tu es en train de. Le destin que tu es en train de te préparer. C'est-à-dire qu'en te définissant comme catholique, les gens qui ne sont pas catholiques ne vont pas acheter ton livre. Et en faisant ce genre de blasphème, les catholiques ne vont pas acheter ton livre. Ah mais voilà, je sens le zéro pointé. Mais élégant, tu vois, christique, voilà. Oui, ça serait christique. Il y aurait quelque chose de bon en vente zéro, tu sais. Oh. Qu'est-ce que tu imagines ? Mais non, c'est ma mère, elle va en acheter un. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et je veux pas qu'elle l'achète, je veux surtout pas que ma mère me dise. On va mettre ton copain sur le coup, frère. On va y arriver. Non, tout ce que je veux, c'est écrire toute ma vie, mais je veux surtout que jamais que mes parents me lisent, quoi. Ah ouais ? Bah, j'aurais peur qu'ils découvrent un... Mais c'est marrant parce que moi je suis pareil. En fait, quand mes parents me disent qu'ils ont vu une de mes vidéos ou qu'ils me lisent, ça me gêne. C'est comme s'ils avaient vu mon zizi, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a une sorte de pudeur familiale. Et puis d'ailleurs, ils me le font payer après parce que par exemple, ils ont lu mon roman et ils me disent : mais pourquoi t'es vulgaire là ? Mais pourquoi t'as parlé de sexe ici ? Moi je dis : mais pourquoi tu m'as lu, toi ? Mais ma mère, c'est ça, quoi. Je veux pas qu'ils me lisent, quoi. C'est ça. En fait, j'ai envie d'être à leurs yeux toujours un enfant. Le petit garçon. C'est ça, ouais. Moi, je veux rester aux yeux de ma mère, de mon père, comme le petit garçon qu'il faut protéger. C'est ça. Et quand ils vont me lire, ils vont dire. Oui, c'est pas possible. Puis j'ai pas envie de leur créer des soucis, j'ai pas envie de leur montrer que je peux avoir des tourments. Tu vois, il y a aussi ça, cette volonté de protéger nos proches, comme ça. C'est marrant parce que pour le coup, niveau familial, je trouve qu'on est un peu pareil. C'est qu'on a on aime nos parents. Je pense qu'on a les mêmes racines. Ouais, on aime nos parents, il n'y a pas trop de problèmes parents-enfants. Tu vois, et c'est plutôt rare finalement en France. La plupart des gens que je connais ont des problèmes avec leurs parents. Mais nous, on a eu des parents aimants qu'on aime aussi. Oui, c'est ça. Il n'y a pas trop de problèmes. Des parents hétéros, sans problème, qui sont depuis des années, pas divorcés. Ouais, voilà. T'as des frères et sœurs, toi ? Moi, j'ai une sœur, ouais. Ouais, moi, j'ai deux sœurs. Ouais. Fais chier quand même. Hein. J'aurais même un frère, moi. Ouais. Oh, c'est bien d'être entouré de femmes. Moi, j'aime aussi. Ça te rend sensible, quoi. Après, ça te rend un petit peu femmelette, quoi. J'ai un côté femmelette, hein, comme type. Hein. Femmelette, je dirais pas ça, mais ça se voit... sensibilité. Non, physiquement, ça se voit pas. Parce que, comme je te dis, quand on me voit, c'est on voit... Oui. On dirait que tu fais du sport alors que t'en fais pas. Ça, c'est, Si, je fais des pompes tous les jours. C'est vrai ouais. Ah bon, d'accord, alors c'est normal. Non, mais si, je fais des pompes, je suis pas un sportif non plus. Hein. Je fais ça juste pour l'esthétisme, encore une fois. Hein. C'est juste pour... être bien fait, quoi. Ouais. Mais après, oui, si, je suis d'une sensiblerie absolue, quoi. Je pleure pour rien, quoi. Ah oui ? Ah oui. Tiens, non. C'est terrible. Quel genre de choses ? N'importe quoi. Même un film à la con, le plus con que tu peux imaginer, américain, tu sais, avec une fin, tu sais, moi, je vais... Avec un happy end. Par exemple, tu montres La Passion du Christ de Mel Gibson. Ouais. Je pleure du début à la fin. C'est vrai ? D'accord, oh, putain, c'est une espèce de fragilité. L'évangile de Saint Matthieu de Pasolini, tu sais, ouais. C'est pareil. C'est très beau. Je peux pas le regarder ouais. Sans pleurer. Mais c'est vrai que c'est un film unique. Il n'y a pas de mots pour ce film. C'est un chef-d'œuvre absolu. Quoi. C'est vrai. L'utilisation des musiques, anachronique. L'acteur est génial, ouais. Celui qui joue le Christ. Pourtant, il a que 23 ans, ouais, voilà, mais il est super. Quoi. Il ne joue rien et en même temps, il l'est totalement. Ouais, quand tu le vois, le Christ, ouais, c'était ouais. Ça. C'est... Ouais. De toute façon, le Christ, on ne peut pas l'imaginer jouer. Il ne peut pas, il faut qu'il soit... Stoïque. Comme ça, quoi. Et c'est comme ça qu'il est. Il a vraiment compris ça. Non, mais c'est vrai que ça... Si vous aimez un peu le cinéma, que vous n'avez pas vu l'Évangile selon Saint Matthieu, à la fois, c'est un film pasolinien, et en même temps, c'est un film unique, y compris dans la filmographie de Pasolini. C'est vraiment un truc... on a l'impression que la pellicule est ensorcelée. Des fois, il y a des plans. Je ne sais pas si je regardais un film ou si j'étais dans une transe et que j'avais pris des champis, quoi. C'est... Non, c'est un chef-d'œuvre absolu. Ouais. Pasolini, de toute façon, est un pur génie. Et qui peut, mettre du jazz ou du blues dans des scènes de Christ à part Pasolini, quoi. Ah, moi, je considère comme un des cinéastes les plus géniaux qu'il y a eu. Ouais, moi aussi, ouais. C'est sûr. Les 120 Journées de Sodome, mon... La première fois que je l'ai vu, je t'avouerai, j'ai eu des difficultés. Quoi. Je me suis dit, voilà, c'est le mec qui fait caca dans une assiette et tout ça. La première fois, on est rebuté parce qu'on regarde ça presque comme un film d'horreur. Mais après, quand on voit ça comme un film d'auteur,
bah, c'est du génie, en fait, tout simplement. Ouais. Toutes les scènes de... On en a parlé avec Olivier Passantini sur ce plateau de Vive l'Europe. Toutes les scènes de torture à la fin, la manière dont c'est filmé, j'ai jamais vu ça. On a l'impression d'être dans l'enfer de Dante. C'est, ça crée un malaise inouï. C'est vraiment le... C'est le sommet. Ouais. Ouais, c'est le sommet, quoi. Kubrick, après... on avait déjà parlé d'un premier Vive l'Europe, voilà, Kubrick. Mais Pasolini, c'est... Oui. C'est juste génial. Même si paradoxalement, il peut y avoir du déchet, c'est-à-dire tout n'est pas parfait dans les films, il y a parfois des côtés amateurs dans la manière de filmer, etc. Il y a des films ratés aussi, hein, tu n'as peut-être pas tous vu, mais il y a des films quand même un peu longuets. Mais à travers cette recherche esthétique, il y a du génie, quoi. Vas-y, prends ton temps pour ouvrir un petit interlude. Alors revenons maintenant à des choses plus concrètes. Ton livre, mais on ne l'a pas assez vendu, on ne l'a pas assez, je crois, on n'a pas assez donné envie aux gens de le lire, parce qu'on est resté dans des choses un peu éthérées et pas dans le concret. Peut-on dire que c'est un recueil de nouvelles ? Non, c'est un livre total. Faux départ. C'est un livre complet, en fait, qui est constitué de 5 textes, je crois, c'est ça ? Oui. Qui forment une unité esthétique, c'est-à-dire qui communiquent les uns avec les autres, comment dire, il va se passer un acte, le mec il va s'en souvenir dans un des livres, et puis après on va vivre cet acte-là dans une autre nouvelle, quoi. Oui. Enfin, dans une autre partie du texte, quoi. Après, ce que j'ai envie de dire à tes auditeurs, c'est vous n'allez pas vous emmerder, quoi. C'est de la bonne cam. C'est drôle, c'est efficace, c'est puissant. C'est tout sauf l'ennui, quoi. C'est-à-dire, si vous avez une idée de la littérature, parce que moi, je m'adresse toujours aux jeunes. J'ai 39 ans, mais je compte 38. Tu écris pour les 20-30 ans ? Oui, ah oui, oui. Moi, mon public, et je pense que c'est comme ça la vie, quoi. En fait, tu produis et en fait, tu vas influencer des gens qui ont 20 ans de moins que toi, quoi. Ouais. Et moi, j'écris vraiment pour les gens qui ont 20 ans, quoi. Et franchement, vous n'allez pas vous emmerder. Vous allez voir, ça se lit très, très facilement. Et en même temps, si ça peut vous questionner, tant mieux. Voilà, si ça peut vous apporter la lumière, un petit peu de lumière, mais beaucoup d'obscurité, hein, je vous assure, derrière, c'est très sombre. Pourquoi pas, quoi. Après, je pense que... Je sais que je suis un bon écrivain, j'en suis même persuadé. Voilà. Satisfait ou remboursé, ça ne vous plaît pas, ben, Claude, ouais, sort l'argent. Oui, voilà. Non, mais après, il faut acheter en marge. Et puis en marge, comme je te dis, c'est un slogan, hein, c'est une façon de vivre. Hein, la marginalité... Moi, c'est ma façon de vivre, quoi. Ouais. Dans un monde, dans une France, on va dire, aussi décadente et en marge, c'est un programme politique, quoi. Mmh. Que ce soit le communautarisme, c'est en marge. Mmh, enfin, c'est la marginalité. C'est-à-dire se créer un cocon dans lequel on peut vivre avec des gens... C'est une deuxième vie à l'intérieur d'un monde que l'on refuse. Voilà, c'est ça. Moi, la France, pour moi, c'est mort. Enfin, ça sent Paris. Oui. Je ne supporte plus, quoi, la France, quoi. Mais en marge, c'est un programme politique, quoi. C'est ça, se créer sa marginalité, c'est-à-dire vivre en marge avec des amis. Ça peut être le communautarisme, ça peut être la vie familiale, ça peut être vivre à la campagne, le retrait heideggerien, c'est-à-dire la campagne et tout ça. Oui. C'est ça, mon programme, quoi. Et pourtant, t'es très citadin. Je ne sais pas si... J'ai du mal à t'imaginer vivre à la campagne. Tu crois qu'il y a rien? Bah, j'ai passé quasiment la moitié de ma vie à la campagne. Je dirais pas, hein. Ouais. C'est le look aussi, mais c'est... Pourquoi j'ai un look comme moi? Je sais pas, t'as un look de mec qui sort et qui égrène tous les bars, quoi. T'as pas un look de fermier, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Mais non, mais c'est que tu t'es bien extrait, finalement, je trouve, de ton milieu d'origine, parce que tu ne donnes pas du tout l'air d'être un paysan ou un prolo. C'est pas du tout l'impression que tu donnes. Parce que j'ai pris les codes de la bourgeoisie. Ouais. J'ai capté les codes de la bourgeoisie, voilà. Mmh. Je parle comme un bourgeois, d'ailleurs. Ouais. Des fois, je vais faire des fautes. Là, tu sais, voilà, je vais sortir des conneries comme ça, tu vois. Ouais. Je vais faire des fautes de... Je vois ce que tu veux dire, c'est un peu comme... Plutôt que si j'avais 20 ans, je vais dire si j'aurais 20 ans, tu vois, je vais faire des erreurs comme ça. Je vous rassure, j'ai relu son livre derrière pour voir si les fautes n'étaient pas trop problématiques. Mais je vois ce que tu veux dire, c'est un peu comme se balader en Corée du Nord. On croit que tout est parfait alors que c'est qu'une façade, en fait, quoi. C'est-à-dire que derrière, c'est du toc. C'est ça que tu dis à propos de ton aristocratie?
Je crois une nouvelle aristocratie. Ah oui, ouais. Fondée sur quoi? Bah, sur l'esprit. Enfin, je suis eugéniste, au final. Enfin, si je vais au fond de mes idées, ça, si vraiment je vais au fond de mes idées, je suis pour une société où, par exemple, les tests de QI deviendront obligatoires au collège, oui. Voilà, pour savoir le niveau de, pour pouvoir orienter ensuite les élèves par rapport à leurs résultats. D'accord. Voilà. Est-ce que tu penses que toi, tu aurais aimé faire un diagnostic sur ton intelligence pour être mieux orienté dans ta vie, peut-être? Il y a déjà eu des diagnostics de fait. Ouais. Mais j'aurais été très bien orienté. D'accord. Ouais. Mais peut-être que... Est-ce que tu ne crois pas des fois que le caractère... ton côté raté social, dans le sens à ton âge, vivre dans un endroit si petit, etc. Au-delà de ce choix d'être un écrivain, de ce destin tragique que tu t'es choisi, est-ce qu'il n'y a pas aussi au départ un raté? C'est-à-dire, en gros... Tu aurais pu être quelqu'un qui faisait des hautes études, qui a un bon boulot, etc. Ah oui, j'avais la possibilité de faire ce que je voulais. Si j'avais voulu être médecin, j'aurais pu être médecin, je le sais. Mm. Mais non. Non. Ouais. J'ai dit, tout à l'heure, on a parlé, mais un type m'a proposé d'écrire des dialogues pour des séries télé. Là, je regarde la caméra parce que je parle à tes auditeurs, quoi. Oui. Et, les spectateurs. Voilà, tes spectateurs. Excusez-moi, messieurs. Mais non. Tu sais, je ne vais pas me prostituer, quoi. Et jamais je vais me prostituer. Ouais. Prostituer, quel grand mot, quoi. C'est que tu veux dire, quand tu n'imaginais pas une autre vie que celle-là, c'est ça que tu veux dire ? Non, pour moi, oui, voilà, à 14 ans, je savais ce que je voulais faire, je voulais être poète. Ouais. Comment ta famille a pris ça, d'ailleurs ? C'est pas toujours évident. Non, ils font ce qu'ils voient rien. Je suis le dernier de la famille, donc je suis très chéri. J'ai que des grandes sœurs qui m'adorent, avec papa-maman qui me protègent. Donc, c'est vrai. Voilà. Ça, c'est le bon truc du cadet, c'est qu'il peut faire n'importe quoi. Oui, c'est ça. Les parents sont bons. Celui-là, c'est... Voilà. Bah, c'est ça, Daniel. C'est pas grave. On en a fait deux corrects. Le troisième, il est un peu foireux. Ouais, bah, moi, c'est pas tout à fait pareil. Moi, c'est... Mon père a toujours l'impression d'un gâchis. Il me dit, mais t'es tellement intelligent, t'aurais pu être avocat, t'aurais pu être prof à l'université. Qu'est-ce que tu vas te faire chez être natio? Les gens comprennent rien, tu vas avoir des procès, tout le monde te déteste. Mais en même temps, t'as pas envie de te prostituer pareil, c'est pareil. Quoi. Ouais, dans mon cas, prostituer, je passe ce mot. C'est la conviction, j'ai choisi un truc et j'y vais jusqu'au bout. Quoi. Ouais. Et puis, qu'on me fasse chier, j'en ai rien à m'enlever. Quoi. Ouais. On trace. Peut-être. Bah, écoute, on s'est bien trouvé alors, c'est parfait. Mon ami. Je voulais vous dire aussi une chose, chers spectateurs, c'est que la première fois que Claude Marion est passé dans mon émission, j'avais dit que je vous enverrais une des nouvelles qu'il avait écrites. Et je vais te révéler quelque chose, c'est que j'ai complètement oublié de le faire. C'est-à-dire je l'ai envoyé, je crois, à 3 personnes, mais il y avait une 20aine de personnes qui me l'ont demandé. Je me suis dit, je vais le faire la semaine prochaine et je ne l'ai jamais fait. Non, mais ils achèteront le bouquin maintenant. Je vais replonger parce que les mails, c'est facile à retrouver. Je vais replonger dans ces mails de 2016 parce que finalement, l'écrit qu'on voulait vous offrir de Claude Marion n'est pas spécialement daté dans le temps. Vous pouvez tout à fait le lire maintenant. Et je m'en suis rappelé là pendant que je faisais l'émission. C'est aussi le côté. C'est l'ancien Daniel que je suis en train de corriger, mes chers amis. Celui que vous n'appréciez pas forcément, qui est trop désorganisé. En tout cas, je suis ravi de t'éditer. J'espère que ce livre rencontrera un succès d'estime et un succès suffisant pour t'encourager aussi à en créer d'autres choses. Non, moi j'attends. Toi, c'est du pognon. Hein. Ah, du fric. Ouais, bah, attends, on finit une émission. Non, mais là, moi, je veux que le livre, il marche du tonnerre de Dieu. Tonnerre de Dieu. Ah ouais, je veux que... Voilà, après, ça dépend de vous, les mecs. Hein. Ouais. Et moi, je veux que le livre marche, quoi. Et je vais en sortir un autre sur la drague, c'est ça. Et, ouais. Voilà. Est-ce que tu vas t'impliquer dans la promotion aussi? Est-ce qu'on va voir ta gueule un petit peu plus souvent? Bah oui, j'ai pas peur de ça. Ouais. Avec toi, t'es rassurant, comme je te dis, avec ta barbe et tes cheveux longs, t'as l'air d'un grand-papa. Donc, c'est le cas, en plus, je suis un daron, voilà. Donc c'est parfait, quoi. T'es rassurant. Mais avec un mec comme toi, je peux te suivre très loin. Hein. Ouais. Bah écoutez, au-delà de ce jeu comme ça, qui est l'émission, la web série Vive l'Europe, je suis très content d'éditer Claude. Ce qui m'intéresse, c'est la vraie culture européenne, la littérature. Certains critiqueront en lisant le livre, ils diront mais on n'a pas besoin de choses déprimantes, on n'a pas besoin de, comment dire, on n'a pas besoin de choses ténébreuses. Moi, je crois qu'on a besoin de tout. On a besoin de tout ce qui respire l'Europe, ce qui respire la finesse et l'intelligence, de la joie, de la légèreté à l'horreur et à l'angoisse. Et Claude est un auteur intéressant que je vous invite à connaître et à rencontrer. Est-ce que les gens qui passent par Rennes pourraient te rencontrer?
Ça te plairait ou pas? Ah oui, il n'y a pas de problème. Oui. Est-ce que tu es le genre à te cacher ou au contraire, ça te fait plaisir d'en rencontrer des... Je suis assez misanthrope, hein. Je suis quelqu'un de très solitaire, mais après, si quelqu'un veut me rencontrer, il n'y a aucun problème. Ouais. Ça peut se faire via toi, il n'y a aucun problème pour boire un verre. D'accord. Ah oui, si tu as une petite équipe qui veut me rencontrer, il n'y a pas de problème. En tout cas, si quelqu'un t'apprécie, je sais que parfois, des gens qui passent par Le Mans rencontrent Isara, ça leur fait plaisir. Mais toi, tu es l'artiste de Rennes. Pour l'instant, tu es là-bas. Ça ne me déplaît pas. Pourquoi pas boire un verre, discuter, même passer une soirée, hein, si ça se passe bien. Très bien. Eh bien, écoute, je mettrai une adresse de contact pour Claude Marion. À bientôt, les enfants. Vive l'Europe. Vive les Blancs.